Ils ont tous un point commun, un message derrière moi, ils ont tous mon coaching de 3 mois. Salut mes Saiyajin, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas seul aujourd'hui. Je vous présente ici donc Yohan, Tanguy et Benoît qui sont là. Ils ont voulu avoir un corps athlétique et comme vous pouvez le constater, ils ont vraiment bien évolué. C'est sur mon site alexlevand.com pour ceux qui veulent des coachings. Aujourd'hui, je vous propose une séance d'échauffement qui va durer en tout 8 minutes. Les gars, vous êtes chauds ou quoi? Ouais, chaud. C'est parti, en mode Saiyajin, là, tonique de plasma. On commence le premier exercice simplement en penchant le corps en avant comme ceci. Et vous allez ici enrouler vos épaules tranquillement. Voilà, hop là, ici. L'idée, c'est de chercher les épaules basses et de serrer légèrement vos muscles entre vos omoplates. Là. Inspirez, soufflez. Est-ce que vous sentez que ça détend un peu le dos là? Ça le prépare aussi un peu à l'effort. Voilà, vous enroulez vos épaules. Voilà, devant, hop. Faites des cercles. Et quand vous descendez vos épaules, vous appuyez un peu sur le dessus de vos genoux, pas directement sur vos genoux, mais sur le dessus de vos genoux, sur vos cuisses, pour faire un effet contrepoids. Là, hop. Et là, vous grandissez. Vous imaginez que votre tête grandit. Voilà. Juste pour échauffer un peu. Et là, regardez, avec moi, vous allez simplement inspirer, monter vos bras et chercher un peu sur le côté en soufflant. Vous pouvez tirer un peu la taille. Vous sentez sur la taille ou pas? Oui. Là, vous inspirez, vous grandissez, vous cherchez au milieu et vous allez chercher sur le côté. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir, on va pas mal travailler également les obliques. Ici, là. On inspire, on va chercher là. Et on souffle, on relâche ici, un petit peu. On redresse un peu la colonne vertébrale. Et vous allez faire ici un travail au niveau de la hanche. Vous allez faire des rotations. Inspire et souffle. Cet échauffement-là, vous pouvez le faire n'importe où chez vous, comme vous pouvez le constater, par le matériel. Et avant un entraînement de full body ou n'importe quel entraînement, ça sera adéquat. Ici, changer de sens. Et là, comme vous pouvez le voir, je fais vraiment un grand cercle. Je ne fais pas ça. Je fais un grand cercle pour étirer vraiment tous les muscles de la hanche. Là, ici. Tranquillement. On commence toujours tranquille, ici. Et dans les exercices, on utilise également beaucoup le bas du corps. Et pour ce faire, vous allez maintenant pieds joints et vous allez faire des mouvements de flexion, extension. Mais en poussant les fesses légèrement en arrière, un peu comme si vous faisiez un squat. Là, et vous revenez. Vos mains sont toujours placées au-dessus de vos genoux, voilà, pour éviter les tensions au niveau de la rotule. Et vous imaginez quelque chose comme une chaise derrière vous. Vous posez vos fesses dessus et vous remontez. Hop. Donc là, on chauffe le bas du corps. Ça va pour l'instant, c'est tranquille. Voilà, tranquille. Tac. Ici. Très bien. On va changer dans 4, 3, 2. Et vous allez le faire toujours face ici. Les fentes alternent. Main sur la hanche. Vous alternez. Droite, puis gauche. Là. Droite, puis gauche. Voilà. Vous gardez les pieds largeur de votre bassin. Donc quand je me déplace, c'est pour vous montrer le profil. Hein, donc ne changez rien. Ici, pareil à la maison, hein, ne faites pas le travail de profil, c'est juste pour que je puisse vous montrer la position à avoir. Vous fléchissez le genou arrière vers le sol et vous remontez. Est-ce que ça va mes Saiyajin? Ah, yep. Soufflez quand vous descendez, inspirez quand vous montez. Soufflez et inspire. Soufflez et inspire tranquillement. Et là maintenant, vous allez placer la jambe gauche derrière, rester en immobilisation, les mains devant comme ceci. Et vous allez serrer un peu vos poings pour contracter un peu vos pectoraux. Vous voyez là, si je suis là, je contracte volontairement les pectoraux pour échauffer déjà cette zone-là. Et en même temps, je fais des montées genoux là. Pensez à souffler avec la bouche quand vous montez les genoux. Allez, soufflez. Là, je vais vous entendre. Là, allez. 10, voilà. 9, 8, 7, 6. Vous mettez le poing sur le talon devant, c'est-à-dire le talon droit. 4, 3, 2, et là, regardez, hop, changez de côté, et vous restez là en immobilisation. Vous serrez vos poings, comme si vos poings, vous pouvez les serrer au maximum pour contracter vos pectoraux. Vous sentez là un peu? Là, dans cette position, vous allez garder vos épaules basses, penchez un peu le corps en avant, et vous allez faire 15 mouvements. 15, 14, 13, 12. Là, vous sentez le rythme cardiaque augmenter. Normalement, vous avez un peu plus chaud que tout à l'heure. 6, 5, 4, 3, 2, et là, regardez, hop, vous allez poser les mains au sol et vous retrouvez les genoux au sol, genoux, hanches, épaules, placez les coudes là et là. Dans cette position, vous allez tendre les jambes et regardez-moi. Gauche, droite écartée, reviens gauche, reviens droite, hop, au des genoux, récupère, 4 secondes, 4, 3, 2, 1, tends les jambes, gauche écarte, droite écarte, travaille les obliques, gauche revient, droite revient, pose les genoux, 4 secondes, ça va ça? 4, oui. 3, là vous sentez aussi les épaules qui commencent à chauffer, hein, Yohan, ici, hop, 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 on pose 4 secondes, 4, 3, 2, 1, on reprend, là, encore deux fois, hop, 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 posez, et là à présent vous allez vous placer, coude tendu, les coudes toujours un peu déverrouillés, hop, ici, gauche, droite, gauche, droite, vous inspirez, vous soufflez pendant tout l'exercice, mais ça y est, hop, allez, là vous serrez vos abdos, vous pouvez également avancer un peu le corps avant et vous allez accélérer à mon signal dans quelques secondes, pendant 10 secondes, d'accord? Je vais compter avec moi. Avec moi dans 4, dans 3, dans 2 et on court un peu plus rapidement pendant 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Là, sur les genoux, redressez votre dos. Inspirez, soufflez comme ça, 4 secondes. Ça va? Ça va. 1. On commence doucement à chauffer le haut du corps. 2, 3, on reprend. 10 secondes de course. C'est parti. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Là, ici en même temps, on en profite pour faire des rotations. Pendant 6 secondes. Voilà, inspire, souffle. Inspire, souffle. 4, voilà, 3, 2, 1. Et on repart. 10 secondes. Allez, encore deux séries comme ça. 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on reprend. Voilà. Ouh, on étire. Est-ce que vous sentez que votre corps il chauffe un peu plus là? Ouais. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et là, on reprend une dernière fois. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, on accélère un peu plus. 5, 4, on s'allonge vers du bas. 3, 2, 1 et là, regardez. Étirez votre dos. Là, on étire bien, on étire, voilà. Et on va effectuer 8 pompes sur les genoux. Les coudes serrés. Là, avancez le corps, genoux, hanches, épaules alignées. Genoux, hanches, épaules alignées. On fait 8, 8, à mourir. Inspire, 7, 6, voilà. Toujours sur les genoux, 5, 4, voilà. 3, 2, 1, sur les genoux. Allez là. On étire là un peu. Ouh, on prépare les épaules à l'effort. Ça va ça? Ça va? Tanguy. Change de côté. Voilà. Normalement, votre rythme cardiaque, vous montez, vous sentez un léger essoufflement, mais c'est supportable. Et là, vous allez le faire, les gars, 10 burpees sans saut. D'accord? Je vous montre un premier burpee. On est là, on fait une pompe sur les genoux s'il faut, voilà, on remonte ici, d'accord? 5 fois comme ça et 5 fois avec un léger saut à la fin. On y va? 5 normal, donc sur les genoux au début, sur les genoux, voilà, hop, pour remonter. Au début on fait 5 sur les genoux, hop, là, posez vos genoux, allez, 2, voilà, hop, hop, là, et proversion du bassin à l'avant, à la fin, 3, là, en fin de mouvement, je fais un mouvement de rétroversion. Voilà. J'avance un peu mon bassin vers l'avant. 4. Hop, là, rétroversion. 5. Et là, j'en fais 5 normales sur la pointe des pieds. D'accord? Avec un petit saut, alors, comme ça. 5. Hop, 5. Allez, 4. Hop. 3. 2. Allez, dernière. On n'arrête pas, talons fesses. Là, hop, allez. 10, 9, 8, 7. C'est comme dans votre cœur, ça va là? Vous sentez vos muscles là? 4, 3, 10 squats rapides. 10, 10, 9, 8, 7, voilà. 6, allez, 5, 4, 3, 2, restez en bas, regardez, hop là, pieds. Voilà. On échauffe là. On imagine pouvoir contracter nos pecs. Allez, 10, 9, en montant. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Reste en bas. 10, rapide, 9, rapide, rapide. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Montez de genoux. 10 secondes. Allez, 10, rapide, rapide, 9. On se met. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et tire là. Inspire. Et tire. Inspire. Et regarde. Comment vous vous sentez à la maison? Comment vous vous sentez, mes sages? Chaud. On est bien là. Ça va? Okay. Donc là, le but de l'échauffement, comme vous pouvez le voir, sur leur front, mais également sur mon front, c'est qu'on commence un peu à transpirer un petit peu. Vous savez, dans les mots échauffement, il y a le mot chaud. Le but étant de préparer vos muscles à l'effort, vos tendons. Si vous aimez ce genre de format vidéo, faites-le nous savoir dans la barre des commentaires. Et puis comme pour Yohan, Tanguy ou Benoît encore, pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez également me faire confiance sur mon site alexlevand.com où je te propose ton plan sportif et ton plan alimentaire. Ça se passe sur mon site, mais également télécharge gratuitement mon application sur Google Store ou App Store, l'application Alex Levand. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai même créé 2 e-books, pectoraux visibles en 90 jours et abdos visibles, comme vous pouvez le voir, en 90 jours également. Ça se passe sur mon site alexlevand.com et on vous dit à plus vite. Ciao!